We will propose a price cap on Russian gas. لن يكون لدى المملكة أي قدرة إضافية لزيادة الإنتاج. L'Europe pourrait venir à manquer de gaz. L'Algérie, elle fait partie de l'histoire pétrolière et gazière internationale. Les nationalisations de 1971, la diplomatie et la politique énergétique algérienne ont toujours été militantes et multidimensionnelles. Vous avez des ministres, des PDG en Angola, au Mozambique, qui ont été formés à Boumerdès. Et maintenant, on parle des Émirats Arabes Unis. Il faut savoir que la compagnie Abu Dhabi National Oil Company a été créée par des Algériens. Le Cheikh Zayed, qui était l'émir, il avait demandé au président Boumdine. Il lui a dit, on a du gaz, mais on ne sait pas comment faire. Boumdine lui a envoyé une équipe de Sonatrach, dirigée par Hamra Kroua, et qui a créé la société même, ADNOC. Et Hamra Kroua était le premier conseiller de l'émir en matière de développement et d'énergie, etc. Il voyait les émirats où ils sont. L'OPEC+, elle est née à Alger en novembre 2015. L'Algérie a réussi à rassembler les pays de l'OPEC et 10 pays autour de la Russie. Les décisions qui ont été prises au sommet d'Alger ont été confirmées en janvier 2016 à Genève. Et ainsi, l'OPEC+ est né et l'OPEC+ défend les prix pétroliers et nous voyons son influence. Donc l'influence de l'Algérie, elle est beaucoup plus grande que son poids. Nous avons 2,3 trillions de mètres cubes de réserves gazières. Il y en a près de 200 dans le monde. Nous avons 12 milliards de barils de réserves pétrolières. Il y en a 1700 milliards de barils dans le monde. On voit très bien que notre pays, son influence ne tient pas du niveau de ses réserves, mais de son histoire, de son image. Moi, je pense que la ressource renouvelable, exponentiellement à l'infini, de l'Algérie, c'est l'intelligence des Algériens et le patriotisme des Algériens. Qu'ils opèrent et vivent en Algérie ou à l'étranger.